Acer Home Story Cup qui commence. Et oui, le tournoi le plus excitant peut-être de la scène StarCraft revient. Et il y a un truc qu'il y a à dire, c'est que c'est le retour d'un homme, le retour d'un grand squid. Il s'agit de MMA. Hell, it's about time. Ce que tout le monde va faire maintenant, faut que là je vous parle, ou je te parle à toi, derrière ton ordi et tout, qui est là. Mais. Regarde une vidéo, pour faire son con et tout. Non, je te parle. Julien. Virginie, écoute-moi, tout de suite. Loïc, ce qu'on va faire, Loïc, là, moi je le sais. C'est qu'on va tous aller sur le stream de la Monstery Cup. Ouais. On va faire ce qui s'appelle un raid. Allez, la baguette, elle est là, voilà. Elle est là, allez, je t'aime, baguette, elle est là. Dennis Ross, il est là, attention. You're watching Home Story Cup 16. Tooth from Rotterdam, there it is, Wardy wins. Non, c'est pas bien, je trouve. Your forces are prepared and awaiting your orders, Commander. Oh là, oh mec, ça va fondre. Oh, les oracles. Les oracles, ils arrivent pas à taper. Les oracles, ils arrivent pas à taper. Attention, les Hydra ici qui essayent de DPS, mais qui se font défoncer la tête. Regarde ça, les dégâts. Oh, oh, shit. C'est quoi ça, Cthulhu? Cthulhu? Ah, mais oui, mais Cthulhu aussi, c'est du jeu de rôle aussi, non? C'est un monstre qui a été inventé par Edgar Allan Poe, n'est-ce pas? Ouais. Hashtag étale ta connaissance. Ah non, c'est Lovecraft, t'as raison, putain, j'ai de la merde. Brie. Oh là là, Storm. Oh la, oh, la bouche. Oh les Drogons. Mais ça passe. Oh Drogon. Joli. Drogon. Le mec vient de battre une armée de Broodlord avec des archontes quand même. Hein. Ouais. Et des Templars. C'est pas mal. Là tu prends la fight, ils sont que 5 hein. A nouveau, il y en a déjà un qui est dans le orange. Allez, tu le prends le dernier. Ouais. Allez, tu le prends il le dernier. Aussi, ah, il veut le TV. Il s'est fait aussi sur l'orange. Allez, retourne-toi pour le dernier Marine Orange. Oui. Oui, Drogo. Qu'est-ce qu'il veut là, Jack-Gi? Oh la vache. Oh les Patrici dans nos offensives. Ça archi stylé, mec. Les Stalkers, faut les respecter, mec. Oh là là. Oh les dégâts. Et le bunker qui se fait fumer. Alors attention, par contre, les auras qui se sont fait déraper dessus, mais par contre, on va reculer et les Patrici elles arrivent avec full mana. En bas à droite. Pour la team, GG. Revolution GG. Alors que de l'autre côté, pour la team My Insanity, pour la France, pour la baguette, pour le style. Drogo. Ah là là, Cosby est beaucoup trop chaud. Est-ce que tu es chaud? Je suis chaud. Ok, c'est parti. Tu es chaud, Cosby? Ouais. Oh, hey. Il est là, il est présent. And definitely just not. What the fuck? On va essayer, comme tu l'as dit, de dépasser la masse critique. Avoir suffisamment d'unités pour pouvoir, tel un rat de marée. Oh. C'est le rat de marée. Jamais la suite. Elle m'a tous les mois, c'est une photo de l'année. Queen. Queen. Il se dit Queen. Queen. Peut-être. Voilà, c'est ça. Queen. Je sais pas. Maintenant, vous faites stresser. Voilà. Queen. Parfait. La concave, la magic concave de Stéphano, je crois qu'il y a trop. Je crois qu'il y a trop pour Steph. Les Benlicks arrivent au corps à corps, Yogo. Il s'est fait aspirer, bonne carte méca, mais finalement le Zerg a pu prendre une concave de l'infini. Ici il manquait, attends, voilà, c'est quelqu'un qui s'est arrivé un petit peu tard. C'est pas fini. C'est pas fini, est-ce que ça passe? La PF qui tombe à l'instant où elle se termine. La prise de fight qui va être envoyée, 180 degrés de la part de Steph, les tanks qui pilonnent, mais est-ce que ça suffit? Il y a quand même beaucoup de plus loin, franchement il peut le faire, là, les premiers tanks qui viennent de se faire défoncer, mais il en reste quand même 4 derrière, c'est pas trop mal hein, pour MMA. Hein. Oh, il accélère ici, il pourrait faire la différence peut-être. Ils sont les tanks, beaucoup d'X. Où sont les tanks, faut qu'ils siègent. MMA qui siège pas ses tanks, mon dieu. Comment ça va se passer cette histoire? Est-ce que les Fuggal peuvent faire la différence? Attention, les Infestors, les Parasites de Parasites. C'est parti. Et Stefano qui possède l'intégralité de l'armée du joueur Terran, il est en train de se faire démolir. Oh, il se fait pulvériser. Stefano. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les baffes que ça met, mec. Oh non. Alors attends, dans cette histoire, MMA qui est en train de vider sa banque, qui reproduit 6 vikings par 6 vikings, qui arrive à peut-être recontrôler un petit peu ce qui se passe, quoique... Oh, les terrains infestés qui sont en train de faire un monstre. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui a fait ça? Oh, le tweet de MMA. Ah, c'est... Thank you very much, MMA. Welcome back to the StarCraft the family. C'est un rush ghost. Funka est prophète sur Smash ici. C'est pour ça que... Si Funka dit... Tu seras
le numéro 1. Et j'ai jamais joué au jeu. Ta gueule. Le matos n'est pas forcément la chose qui importe le plus. Ouais. C'est le talent d'abord. Et du coup j'imagine que tu peux soit... Ah pardon, qui va se faire rouler dessus. MMA. MMA qui va prendre la troisième carte. Dans ce BO5. MMA. Allez. Le talent. Un loser match, plein de tensions à nos. plein de drama. Ben voilà, on a eu un MMA contre Stefano. Vraiment dantesque. On peut pas te gâter à tous les matchs. The Queen of Blaze is in fact leading the swarm. Vu légende. Legend. Avec Tom Cruise en elfe, avec des petits collants. Je l'ai eu. Ouais, on sait, j'ai peut-être pas vu ça. Deuxième fingal sur toute l'armée du genre proto Zema, Sierra d'enfusqué. En dessous. Pour Scarlett. Scarlett qui va. Scarlett à l'assaut, Scarlett à l'assaut. Oh, les Bellings dans les zombies. Bon, hein. Les Bellings dans les zombies. Allez, allez, ça, décale. De focus. Oh, oh, il y va comme ça. Il y va comme ça. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est bien mis dans la gueule. Elle comprend rien, Scarlett. Oh, comment c'est sale ce qu'il a envoyé. Oh, le dégât. J'ai qui rentre dedans. Les Storms sont pas mal, hein. Mais il y a les Lurkers derrière. Les Arcrooks n'ont pas pu bien se positionner. Fais un Broodlord. Deux Broodlord. Ok. Eh, hey, mec, tu sens quand même la puissance du Stalker. Ah, mais ouais, c'est plus la même. T'as vu les dégâts qu'ils font maintenant. C'est plus la même. Bah ouais, c'est clairement plus la même. Et oh, la Storm encore. Qui mais il est en train de le faire. C'est ce qui est en train de le faire ici, qui est en train complètement de dératiser. Ah ouais, mais non, c'est dégueulasse. Ça, je m'indigne. Hein. Oh là là, moi là, là, oh oui, le surround est magnifique. Et voilà, on bloque. On empêche les unités de pouvoir back. Quelques piles au milieu. Oh là là, allez, c'est... Allez, boum. Oh là, il a digéré comme une amibe. Hop. Le call de Snug qui ne va pas payer le risque du joueur norvégien qui sera son tombeau. Oh là là, et le grand Zest qui est en train de double cloquer stats. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, il mène déjà 1-0. Attention ici, là c'est pas mal, il peut y aller stats. Il peut y aller, on est sur un petit virage, il a pas voulu en profiter, mais il laisse toute l'armée monter, je comprends pas. Oh là là, les îlots derrière qui bloquent par contre, hein, les îlots qui font que dalle. Attention, attention, la micro qui doit être parfaite, il va libérer. Il faut qu'il libère le premier rang, les îlots qui ne tapent sur pas, voilà. Les îlots de Zest finalement qui vont pouvoir en découdre. Stats qui est dans les cordes ici, qui est en train de manger très très dur. Ah non, mais Stats, mais ouais, il prend super cher. Oh et là il là a utilisé là ses là 3 chiffres de batterie. Zest qui part pour le 3-0. 3-0 Zest implacable qui va aller en finale et défier Solar. Du coup, on fait un break. Le mot du break. Il faut que je trouve un bon mot, alors tu me laisses le temps s'il te plaît. Solar qui passe un sale quart d'heure ici. Oh là, le sport qui tombe. Oh shit man. Ok, c'est parti, les particules qui sont lâchées. Ouais, magnifique. Oh y'a Zest qui éradique un tiers de l'armée Zerg et qui du coup s'attaque au reste. Mais il contre avec son putain de 2 d'attaque là. Et il l'a ramené derrière lui à la pop. C'est pas et c'est parti, Zest il envoie le feu ici. On tente un 180 degrés là pour Solar, il a encore des unités qui vont arriver d'en bas. Très bonne Storm, faut nettoyer le bord. Il est en train de le défoncer. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, il a pris le prisme. Oh mon dieu, on est sur du Peggy. Ah ouais, clairement. Oh ah là 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 là. Ouais, mon gars. Elle est des putains de génie. Oh, ça sort les drones. LOL. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc. J'ai jamais vu. Quoi en face. Y'a rien, y'a un Zilot. Oh Jack. Mais non, mais fais un chute de bouclier. Oh, ça rentre. Eh oui, c'est obligé parce qu'il peut faire le tricks. Oh, c'est bien joué. Il fallait un shield de bouclier, la papy. Les props qui sont sortis, mais il n'y en a pas assez. On va ramener toutes les autres props de la part de Zest. Est-ce que Zest est en train de se faire pigeonner? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça push ici? Solar qui est en train complètement de jambonifier. Son adversaire, il n'y a pas de poussée photonique, donc évidemment, ça marche. Ah ouais, mais là, il va perdre. Il focus le pylône, ça c'est mal joué. Ça c'est mal joué, là, le coup du pylône, il n'aura pas assez après derrière. Oh, c'est le désactivé. Le Zilot, il va pas sortir. Ouais, ça c'est la bonne nouvelle. Mais il est en train de défoncer, oui. Tu te fais prendre, mais c'est incroyable. Il est en train de tuer. Oh mon dieu. Mais c'est incroyable. C'est quoi ça? Oh là là.